On est tous là. Sauf donc, moi. Merci beaucoup et bienvenue à l'auditorium. Certains se sont posé la question sur ce que c'était ce bâtiment. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas, pas des bureaux classiques. C'est un bâtiment qui a été construit avant 1980 par le papa d'Alain, et Alain a contribué à cette construction. Ce lieu, il est destiné à la privatisation pour les professionnels ou pour les particuliers. Donc on a fait des volumes différents. Donc ici on a la salle de projection, vous avez vu la salle de réception, et derrière nous avons une salle qui est plus juridique et un petit bureau privé. L'utilisateur, en disant qu'il fallait un lieu qui sorte un peu, qui soit un peu cocon, un peu cosy, parce que même dans le domaine du travail, à certains moments, on a besoin de se poser et de se sentir à l'aise. Voilà. Oui, avec mon fils, je prends l'avion à Toulouse. J'arrive à Alger. Et là, on me dit, madame, il n'y a plus d'avion pour continuer, pour rentrer en France. Je vais aller rejoindre mon mari, je ne veux pas revenir chez mes parents, pas de raison. Alors je calcule, je tourne, je viens, je vais à la gare, je vais ici, je vais là. Et je dis, tant pis, on me propose le train. Et je dis, mais je prends le train. Je m'en vais avec mon fils, qui avait 6 mois. Mais mon fils en est prêt. Je vais prendre le train. Mon fils n'avait plus de nourriture. J'avais emporté quelque chose, mais des bricoles. Donc, ce que j'ai voyagé avec des jeunes appelés, qui ont été là-bas, vous savez pourquoi, ils ne sont pas revenus, certains ne sont pas revenus. Donc, je suis partie de mon fils et je lui ai donné ce que j'avais à manger, le linge que j'avais pour le changer, mais ça a duré 3-4 jours. Après, à mon fils, vous savez que les militaires, je ne sais pas si ça se fait toujours, ils avaient des portions, ils avaient des rations militaires, des gâteaux durs, très durs. Je lui mâchais les gâteaux et je lui donnais à manger. C'était une période très très dure. J'ai fait plein de choses. Je pense que j'ai fait plein de choses. Bravo. 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 En 9 mois seulement, on devient un petit bout de chou de 4 kg, 3 kg ou 5 kg. J'ai 5 kg 600 pour vous dire. Et on vient en Inde. Et c'est 9 mois, c'est un vrai miracle. On ne reviendra jamais plus ça. Après, la vie, elle se déroule, bien sûr, on grandit, mais sa croissance, elle est exceptionnelle pendant 9 mois. Et que pendant ces 9 mois. Et un jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que pendant 9 mois, ce côté si exceptionnel de la vie se produise? Pourquoi cette production? Pourquoi ce petit bout de cellule devient un bébé, comme ça, en si peu de temps? Qu'est-ce qui a pu se produire? Qu'est-ce qui a dû se donner? L'habitude de les attirer. Et là, j'avais besoin de comprendre comment est-ce que je pouvais m'en défaire définitivement. Alors, je me suis intéressé aux neurosciences. Je ne vais pas lire ce qu'il y a d'écrit, vous pouvez lire si vous le voulez. On va essayer de comprendre rapidement ce que c'est que les neurosciences. On a tous un cerveau. Et ce cerveau, je vais vous dire au moins les trois choses essentielles à connaître, c'est le reptilien. Le reptilien, c'est 95% de notre cerveau. C'est lui qui emmagasine toutes les connaissances, depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, jusqu'à aujourd'hui, et je l'espère assez longtemps encore. Il enregistre tout, de manière à ce que nous ne soyons pas obligés de nous les remémorer. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous n'avez pas besoin de reprendre vos leçons de conduite, et moins encore celles du code. Vous devez tellement bien conduire parce que votre cerveau vous redonne toute la mémoire dont vous avez besoin que vous pouvez fumer une cigarette, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez parler à vos voisins ou utiliser le téléphone. Nous ne vivons qu'au travers d'hypothèses et qu'au travers de postulats. Même ma propre naissance, finalement, moi je m'en souviens pas. Parfois, il me faut de la difficulté pour progresser vers l'exploration. C'est donc pour lui quelque chose qui va être aidant. Comprenez-moi bien, parce que quand vous voyez des gens faire des choix difficiles, vous avez l'impression qu'ils s'en foutent. Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est précisément parce que c'est de ça dont il a besoin pour progresser. Parce que c'est précisément ce qu'il lui faut pour aller chercher, non pas chercher, mais explorer dans sa vie. Donc, comprenez ça, parce que ça commence à débugger un peu le cerveau quand on commence à définir que je ne suis pas comme les autres et les autres ne sont pas comme moi. Ça, c'est un point essentiel. Donc lui, c'est aidant pour toi. Et j'imagine que c'est en train de se construire maintenant, parce que j'ai du mal à imaginer que ça puisse, mais je pose quand même la question, que ça puisse être induit depuis toujours, que ce soit difficile de parler en son nom, quoi, que ça ne veut rien dire. Alors est-ce que cette pensée que c'est difficile de penser de soi, de croire quelque chose à son sujet, est-ce que c'est quelque chose qui induit depuis toujours, ou c'est quelque chose dont tu fais l'expérience maintenant?
C'est quelque chose qui a été toujours en moi. Ah, très bien. Donc, c'est probablement induit. Ouais. D'accord. Ok. Bon, c'est... Du coup, est-ce que cette pensée est aidante ou bien est-ce qu'elle est un frein? Elle est aidante. Vous voyez, on a de la chance. On a travaillé sur des moyens qui permettent de ne pas trop développer puisqu'on reste sur des pensées aidantes. Comment est-ce que je fais sur le plan affectif pour m'aligner? M'aligner sur le plan professionnel, ça veut dire m'aligner avec mon projet. M'aligner sur le plan personnel, ça veut dire m'aligner avec mes valeurs. M'aligner sur le plan affectif, c'est m'aligner avec la personne avec laquelle je partage ma vie. Ou les personnes, avec une famille qui doit aussi trouver son propre alignement. Pas toujours que deux, enfin peut-être plusieurs. Et donc, cela invite à cet alignement. Et l'alignement, il est précisément ici démontré par ce qu'on appelle l'équilibre des balanciers. Il est aussi justifié par le titre même de ma conférence qui est « Surfer sur les vagues de la vie ». Je ne sais plus avec qui on en parlait tout à l'heure, mais vous imaginez, je crois que c'était avec... Quand on est en train de parler justement de cet océan qui fait des vagues immenses, et on a imaginé deux secondes si cet océan ne faisait pas une seule vague. Ce serait un petit peu une espèce d'immense lac. Mais alors, pas de vague. Donc là, vous ne surfez pas, vous êtes assis sur votre surf et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas avancer dans ces conditions-là. Ça veut dire que la vie, c'est un mouvement. Et l'équilibrage, en fait, l'alignement commence par ça. J'accepte, j'accueille, mieux que d'accepter. J'accueille, j'aime, comme dirait Byron Katie, on le verra tout à l'heure, j'aime la vie qui est la mienne, j'aime chaque instant de mon existence, j'aime le parcours qui fut le mien jusqu'à aujourd'hui, j'aime ma vulnérabilité, mes faiblesses, mes défauts, mais aussi bien sûr mes qualités et tout le reste qui va avec. J'aime mon physique, j'aime mon caractère, j'aime tout, je pars de cette réalité parce que sans la nommer et sans plus aucune évaluation, je suis présent à qui je suis. Et là, déjà, je me suis aligné. Si on s'en va, on serait déjà en train d'en créer. Dès l'instant où je commence à rejeter quelque chose ou donner de l'importance à quelque chose, je crée des vagues. Dès l'instant où je suis en accord avec ces choses, je recrée le calme. Alors maintenant, vivez dans un océan où vous n'êtes pas l'auteur de ces vagues, mais ces vagues existent, alors vous commencez à créer un surf sur lequel vous êtes capable de surfer et la vie devient aussi facile que celui d'un surfeur qui adore les vagues immenses. Et ça n'est possible que parce que vous êtes en accord avec vous-même.